Dans cette vidéo, nous allons travailler la trigonométrie au travers d'un exercice de brevet. Donc l'exercice de brevet en question, c'est un exercice qui est tombé en Polynésie en septembre 2017. Donc dans un premier temps, on va parcourir l'énoncé, ensuite on va répondre à chacune des questions. La figure ci-dessous représente le plan de coupe d'une tribune d'un gymnase. Pour voir le déroulement du jeu, un spectateur du dernier rang assis en C, donc ici, doit regarder au-dessus du spectateur placé devant lui et assis en D. Une partie du terrain devant la tribune lui est alors masquée. On considérera que la hauteur moyenne d'un spectateur assis est de 80 cm. C'est-à-dire que la longueur CT, c'est la même que la longueur DS, c'est-à-dire 80 cm. Sur ce plan de coupe de la tribune, les points R, A et B, ici, sont alignés horizontalement, et les points B, C et T sont alignés verticalement. On dit de plus que les points R, S et T sont alignés parallèlement à l'inclinaison AC de la tribune. Donc que ces trois points-là sont alignés et que la droite là, elle est parallèle à cette droite-là. On considérera que la zone représentée par le segment RA, ici, n'est pas visible par le spectateur du dernier rang. La largeur du sol AB, ici, de la tribune, est de 11 mètres et l'angle BAC d'inclinaison de la tribune mesure 30 degrés. Et à partir de toutes ces informations, on nous pose trois questions. Première question, montrer que la hauteur BC de la tribune mesure 6,35 mètres, arrondi au centimètre de mètre près, au centième de mètre près, pardon. Petit 2, quelle est la mesure de l'angle BRT? Donc on demande de trouver la mesure de cet angle-là. Et troisième question, calculer la longueur RA en centimètres. Donc cette longueur-là, celle qui est non visible par le spectateur du dernier rang, on demande d'arrondir le résultat au centimètre près. Donc pour résoudre ce genre d'exercice, on va aller question par question. Donc première question, montrer que la hauteur BC, ici, de la tribune mesure 6,35 mètres. On demande d'arrondir après au centième de mètre près. Donc ici, pour calculer une longueur, on remarque qu'on a un triangle BAC qui est rectangle. Donc dans un triangle rectangle, pour calculer une longueur, on a tendance à penser à deux choses possibles, le théorème de Pythagore ou la trigonométrie. Donc pour le théorème de Pythagore, il faut que je connaisse deux mesures. Ici, j'en connais qu'une, je connais que BA. Donc a priori, je ne vais pas pouvoir utiliser le théorème de Pythagore, pardon, pour calculer BC. Pour la trigonométrie, il faut que je connaisse un côté et un angle. Et là, c'est le cas. Je connais AB et je connais l'angle A, BAC. L'angle BAC, par rapport à l'angle BAC, donc je connais le côté adjacent. Hein. AB, c'est le côté adjacent à l'angle BAC. Il part de l'angle A et il va vers l'angle droit. Et je cherche le côté opposé à l'angle A. Donc, dans mon triangle rectangle ABC, rectangle en B, j'ai la mise en relation d'un angle du côté opposé et du côté adjacent, donc je pense à la tangente. Donc là, j'ai fait le plus dur, j'ai analysé ma figure et j'ai réussi à trouver la formule de trigonométrie que je vais pouvoir utiliser en justifiant que je puisse utiliser puisque j'ai un triangle rectangle. Maintenant, je vais remplacer par les données. Je sais que l'angle mesure 30 degrés, donc je remplace BAC par 30, et je sais que AB mesure 11. Et là, grâce à l'égalité des produits en croix, je trouve très rapidement que BC est égal à 11 fois tangente 30, ce qui est environ égal à 6,35 mètres, qui était la mesure que l'on me demandait de trouver. Donc voilà, j'ai répondu à la première question. Deuxième question, on me demande de trouver la mesure de l'angle BRT. Donc là, il va falloir que je fasse appel à des vieux souvenirs hein, d'éléments de géométrie qu'on a vus plutôt en cinquième d'habitude, sur les angles correspondants. Donc les angles BAC, ici, et les angles BRT, ils sont correspondants. Et en plus, ils sont correspondants et ils sont entre des droites parallèles. Hein, AC et RT sont des droites parallèles. Et donc on a vu en cinquième que si deux angles correspondants sont entre des droites parallèles, alors ils sont égaux. Donc j'en déduis que l'angle BAC, ici, a la même mesure que l'angle BRT. Et donc que l'angle BRT mesure 30 degrés. Dernière question, on nous demande de trouver la longueur de RA. Donc pour trouver la longueur de RA, et ben en fait, on aurait presque une situation de Thalès hein, qui pourrait nous être utile. On pourrait, pourquoi pas, utiliser la propriété de Thalès ici hein, dans le triangle BRT. C'est une des possibilités puisqu'on connaît BC, on connaît du coup BT, on connaît BA et on cherche. En trouvant BR, on trouve RA. Donc on peut utiliser la propriété de Thalès, pourquoi pas. Mais on peut rester en la trigonométrie, parce qu'on remarque que le triangle BRT, c'est un triangle rectangle, que l'on connaît la mesure BT, puisqu'on avait calculé BC ici, donc on connaît toute cette mesure-là. On connaît l'angle R, on vient de le calculer, il fait 30 degrés. Et donc du coup, on peut trouver facilement BR, et que lorsque l'on aura BR, ben, en enlevant la longueur AB, on trouvera la longueur RA. Donc comme pour le premier exercice, la première question, on va utiliser la trigonométrie, mais cette fois-ci dans le triangle BRT rectangle AB. Donc très important de dire dans quel triangle on se situe. Donc le triangle BRT est rectangle en B. Donc on va pouvoir utiliser la trigonométrie. Donc là, par rapport à l'angle R, bah, je connais le côté opposé
je cherche le côté adjacent, donc c'est de nouveau la tangente. Donc la tangente de l'angle BRT, bah, c'est BT, le côté opposé, divisé par BR, le côté adjacent. Je remplace par les données de l'énoncé. Donc je sais que l'angle R ici mesure 30 degrés. Je sais par ailleurs que BT, bah, c'est BC, c'est-à-dire 6,35 plus 0,8. Je mets bien environ égal, puisque 6,35 est une valeur approchée. Et je cherche la longueur BR, en utilisant l'égalité des produits en croix. Donc je remplace, pardon, déjà, je fais le calcul, 6,35 plus 0,8, ça fait 7,15. En utilisant l'égalité des produits en croix, je trouve que la mesure BR, là, toute la longue mesure là, elle est d'environ 12,38 mètres. Alors là, j'ai pas tout à fait fini de répondre à la question. Dans ma question, c'était pas BR que je cherchais, mais RA. Donc il faut que j'enlève 11 mètres. Et donc j'en déduis que la longueur RA est d'environ 1,38 mètres. Donc j'ai arrondi au centième près. Et donc RA, c'est 1,38 mètres. Donc voilà, cet exercice est terminé, il a permis de retravailler la trigonométrie, hein, quelque chose quand même d'assez important qui tombe régulièrement au brevet. Donc qu'est-ce qu'on a vu dans cet exercice? On a vu que dans un triangle rectangle, la trigonométrie va permettre de mettre en lien les mesures des longueurs et celles des angles. Ça met en lien deux longueurs et un angle. Donc ça, c'est quelque chose de très très important. Ensuite, on a vu que deux angles correspondants entre deux droites parallèles, bah, ont la même mesure. Donc j'espère que cet exercice t'a permis de réviser quelques notions de géométrie, en particulier de trigonométrie. Si elle t'a plu, bah, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Puis si tu veux voir l'ensemble des vidéos qui traitent plus particulièrement des exercices de brevet, bah, y a une playlist sur laquelle ils sont recensés. Bah, je te dis au revoir et j'espère à bientôt.